participants, les organisateurs, le public. Ouais. Le public, on nous suit partout. Voilà. Et surtout, à comme je dis, la clé de 13 veille sur nous. Et là, on est tranquille. Bisous à tout le monde. Ok. Alors, je vous rappelle que sinon, vous pouvez suivre tous les jours les étapes du Tour de France sur le site du GABAF, gabafmonton.fr ou sur Facebook. Allez, roule, mon ami. Ah oui, là, c'est vraiment la salle de police, regardez la fourche devant. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Only she got a dime, the music won't never stop. A roll over, baby, Coleman. A roll over, baby, Coleman. A roll over, baby, Coleman. Roll over, baby, Coleman. Pour aller aider les copains le soir. On mangeait encore
Ah si, on lui donnait une cuisse de poulet, t'adores le poulet. Anti-volaille. Il est anti-volaille. Il aime pas les poulets, même ceux qui ont des motos, ni ceux à manger. Combien? Alors, monsieur Boussorion, Étienne. 350, René Guillon, marque bien française, qui démarre au quart de tour. Il va venir. Ouais, alors, je crois qu'on aurait dû. Sinon, avant, de toute façon, je ne me moquerai pas parce que je connais, moi, c'est pareil. Ça débarque en l'avion. Les organisateurs, toutes les personnes ici présentes, parce que ça fait plaisir. Donc sans vous tous, on ne pourrait pas faire le Tour de France. Donc merci à vous. Donc je reviens sur les Tours de France. J'ai fait 3 Tours de France en motobécane 175. C'était pas facile. Et là, c'est mon deuxième Tour de France avec cette Orex. Et je tiens à dire qu'elle a appartenu à Bernard Musset, qui nous a quittés récemment. Donc Bernard, toi qui es là-haut, eh ben, on te fait un petit coucou, voilà, et on pense à toi. Voilà. Récemment, beaucoup pour tous les gens, ben, j'ai appris que François, ben, il se faisait des petits cafés rasseurs en moto ancienne,
pour faire. Je vais te piquer le micro, c'est pas facile parce qu'il y a du baratin. Alors je fais un petit peu de démonstration, je fais pas de course, hein, je fais un petit peu de démonstration avec des avant-guerre, parce que bon, je suis pas un grand pilote, donc ça va bien assez vite pour moi. Et puis dernière petite folie, merci beaucoup. Troisième participation, hein, avec une petite moto qui est pas bien rapide, enfin bon, qui va proximal, hein, voilà. Voilà, et ben, bonne chance à tout le monde, et puis merci pour l'accueil qu'on a eu. Dans la sacoche, naturellement, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a du calva qui dépasse, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Ah, merci François. Steve, c'est un pilote, Steve. Là, je l'ai vu en coupe moto légende. Et il y avait des kékés avec des belles motos bien restaurées. Ils les ont enfumés grave. Hein, tous les ans, il le fait. C'est assez marrant. Alors là, il est venu avec une belle Rendez Gilet. 750 ou bien 750. Bon, c'est un brave percheron latéral. Avec sidecar. Il peut rouler sur deux ou trois roues. C'est comme il veut. Alors, raconte-nous combien de participations. Merci, donc c'est la deuxième participation avec elle et moi, c'est ma belle compagne. C'est une petite parisienne, son papa s'appelait René Gilet pour le dire. Donc c'est une moto qui a participé à la deuxième guerre mondiale, qui a reçu une médaille pour des bons et loyaux services, elle est là, elle est riftée dessus. Elle a d'ailleurs été blessée. Bon, c'est tout ça, scotché à peu près d'elle. Hein, parce que c'est un petit peu comme toutes les femmes, elles gardent leur jardin secret. Tout ce que je me suis dit, elle a certainement eu beaucoup d'amants. Et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'après moi, elle en ait encore beaucoup d'amour. Voilà. Et bonne fin de présentation. Merci Steve. Bon, le moto qui a fait la guerre, mais il y a quoi que j'ai fait la guerre. Moi j'ai fait la guerre, hein. J'ai fait mes 68. Ouais, bah, je suis un peu tout à l'envers, hein. Mais ils sont tous indisciplinés. Ça fait 2 heures qu'il est là, mais bon. Voilà Michel, avec son Mochness 350. Qui est belle comme tout. Ah, il a amené des noix en plus. Hein. Noir, t'es noir. Ah ben c'est bien. Alors Michel, combien de participations? Le sixième. D'accord, et cette année, ben, Michel nous a aidé pour une étape. Voilà, parce que ça c'était aussi la condition qu'on participe au Tour de France. Il y en a qui arrivaient, se mettent les pieds sur la table, comme on dit, on critique tout ça, mais bon, là on a décidé cette année que ceux qui voulaient participer, il fallait qu'ils aident. Et là, comme par hasard, on a reçu plein d'aides, c'est formidable. Ce qu'il y a, c'est que finalement, la région Rhône-Alpes-Auvergne, ben, je crois bien que c'est le sol et ça devient compliqué, difficile de trouver une étape en fait. Ah voilà, après cet aparté, bon bah vas-y, on va le rapporter. Donc c'est Antoine. Alors Antoine, c'est le seul germanique qui roule sur une Kero. Et qui a fait, alors là... Attends, Antoine, combien de kilomètres elle a fait cette moto? Au niveau kilomètre, j'ai déjà fait le tour du monde avec... La dernière, on va dire, 12e année. Ah, c'est déjà la troisième révision du moteur. Moi, j'ai joué avec deux moteurs. Il faut modifier quand même un VDB parce qu'il faut faire 4500 km. Pour être sûr, il faut faire quelque chose quand même. Alors, Antoine, il a une particularité. Bon, déjà, il est propre sur lui. Hein. Alors, sa moto, elle est toujours propre. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, parce que tu l'as les trois. Antoine, j'ai vu désespéré une fois le frein qui s'est bloqué, la fourche tordue, bon, on l'a redressé. Un autre jour, à une étape, le petit Franquin qui s'est décalé. Non, mais il y a toujours une solidarité. Il y avait des gens d'un club qui étaient là. Attends,
ils ont démonté tout dans la nuit, ils ont remis l'emballage comme il faut, et le surlendemain, bah, Antoine est reparti sur sa moto. Voilà, pour un autre Tour de France. Et ça, j'aimerais bien répéter, c'est vraiment formidable. C'était un petit peu déçu, mais avec tout ce qui était tout autour de moi, comme par exemple Claude, ils m'ont bien aidé pour avancer, pour arriver à la fin. Merci encore une fois, mais c'est l'ambiance, le Tour de France, pour moi c'est une drogue. C'est pas facile à expliquer, mais c'est comme, pour moi c'est une drogue, c'est l'adrénaline qui monte, et après ça reste 3 semaines, après on compte dans un tout, c'est moins bon. Après les 3 semaines, moi c'est toujours comme ça. Alors maintenant, Michel Costin, René Goyon, marque française. Et c'est le sixième Tour de France que fait Michel avec cette moto. Alors Michel, qu'est-ce qu'on peut dire de cette moto? C'est une moto qui est très légère, très facile à utiliser, mais qui est très fragile. C'est la troisième boîte de vitesse que je casse, et ça fait 15 jours la dernière fois elle a cassé. J'ai réussi à la refaire, mais là c'était tout juste, j'ai plus une pièce et j'avais plus beaucoup de temps. Mais j'espère que je vais l'aménager pendant 3 semaines pour essayer de faire tout le parcours. Quoi. Eh bien, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Je me souviens d'un Tour de France où ta femme était derrière sur cette moto. Là, j'ai un petit peu essayé de la faire revenir au Tour de France, mais elle a regardé, puis il n'y a pas de suspension à l'arrière. J'avais dit que je mettrais une suspension, parce qu'il y a des modèles avec suspension. Elle m'a dit non, il n'y a pas de suspension, c'est vraiment, ça va être au-dessus de mes forces, j'ai mal au dos. Tu vois, ça tient un peu de choses, un Tour de France. Bon, mais tant pis, tu le feras tout seul. Monégoyon, tu peux nous dire quelque chose sur cette belle marque française? Qui s'est associé avec Collet Escoffier au début des années 30, parce qu'ils avaient, Collet Escoffier, l'ingénieur, avait conçu la 1000 cm3 4 tubes. Et c'est l'ingénieur qui a conçu cette moto 1000, qui a conçu ce moteur-là, la série L, qui a décliné de 250 jusqu'à 500. Quoi. Mais c'était des bonnes motos, sauf que c'est assez fragile. Quoi. Et bruyant, c'est pour ça que j'utilise toujours un sac de réservoir, parce qu'au bout d'une journée, j'en ai plein les oreilles. Avec le sac, c'est un peu plus amorti les bruits. Comment ça se fait que tu as cette moto? Comment elle est arrivée dans ta vie? C'est un hasard parce qu'en fait, quand je suis parti en retraite, il y a un collègue de boulot, il m'a dit, je connais une Monégoyon, elle est en pièces détachées, et elle est à vendre. Alors moi, j'ai dit, c'est des deux temps, ça ne m'intéresse pas trop. Il m'a dit, non, c'est un 4 temps. Alors je suis allé voir, et bon, bah, je l'ai acheté, c'est 250 4 temps. Et après, il y a un gars du club de Luxe-sur-Mer, de Retro Moto Condenac, qui en vendait 350, c'est là donc. Et là, je me suis dit, ça doit être une bonne moto pour faire le tour, c'est une moto ancienne, et puis équilibrée et tout. Donc je l'ai acheté, puis bon, ben, je l'ai bien restauré, puis ça fait le 6e tour que je fais avec. Quoi. J'ai fait à peu près 60 000 km avec. C'est le premier moteur, c'est la 4e boîte de vitesse. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Magnifique cette mécane, elle est restée dans son jus, une Terreau de 1926, une 175. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les qualités de cette moto? Il n'y en a pas beaucoup. Ça roule pas vite, ça vibre dans tous les sens, mais elle vous emmène là où elle veut, donc ça c'est bien. Alors on peut préciser que Thomas, tu vas pas faire le Tour de France, rassure-nous. Pas avec celle-là. En 1926, Terreau existait déjà depuis un moment. Oui. Alors, je ne sais plus la date exacte de la création de l'entreprise, mais ça faisait déjà une trentaine d'années, je crois. À
passer l'école. Hein, les feux. Alors, pourquoi tu as cette moto? Comment elle est arrivée dans ta vie? C'est ma première moto ancienne que j'ai récupérée. J'ai vérifié mécaniquement. Et bon, là, elle a besoin d'un petit check-up cet hiver pour poursuivre sa carrière. Et tu l'as achetée? On te l'a donnée? Tu l'as achetée? D'accord. Et tu l'as restaurée ou est-ce qu'elle est dans l'état où tu l'as trouvée? Et comme je l'ai trouvé à peu près, le moteur était bloqué, après un gros nettoyage pour conserver la patine. Et puis, voilà. Combien il y a de vitesse sur une moto comme ça? Deux vitesses. Ça va, c'est pas trop compliqué, tu démarres et après tu... Ok, et bien écoute, elle est magnifique. Donc Théro, une aventure d'une entreprise française qui a perdu son dirigeant en 1943, pendant la guerre 40-45. Et le retour de la Seconde Guerre a été fatal pour ces moments. Par contre... Ah, magnifique. Magnifique. Alors, Jean, l'homme de la Théro, 1928, la plus ancienne des motos du Tour de France, qui a la plaque numéro 1. Et Jean, tu as fait quoi le Tour de France? 6e au Tour de France. Et pourquoi en 28? Parce que ma maman est née en 28. Tu as choisi cette moto de 28. Alors moi, je me souviens d'une interview de FR3 il y a quelques années de toi. Et quand Jean parle de la Théro, il n'y a plus qu'à se taire et à écouter. Alors, tu peux me rappeler pourquoi à l'époque on achetait une Théro, s'il te plaît? Parce que la devise, c'est que le terreau, c'est ce qu'il vous faut. Alors, cette machine, pourquoi cette machine sur le Tour de France? Pourquoi tu as choisi celle-ci? Et quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette machine particulière qui est une HSC? Alors, cette moto, je l'ai pris exactement parce qu'elle a été... Il y a eu beaucoup d'exemplaires, il y a beaucoup de pièces sur le marché pour pouvoir rouler avec. Ce n'est pas une moto au salon, c'est une moto pour rouler. Cette moto a été conçue suite à un pari il y a 8 ans sur le Tour de France. Un garçon qui était en panne au bord de la route avec moi, je lui ai dit j'aimerais faire le Tour de France avec une moto de 28. Et le gars me dit si tu prends une moto de 28, je te refais le moteur. Je savais qu'il était un peu mécanicien, alors on a marché comme ça, et puis j'ai conçu la moto avec ses conseils, et me voilà au 3e Tour de France avec cette moto. Super. Comment cette moto est arrivée dans ta vie? Qu'est-ce que tu l'as trouvée? Tu l'as achetée? C'est encore ta maman qui t'a fait ça? Non, là, c'est un copain, chez le marchand, chez le sanitaire, on va chercher des jouets pour le robinet. Et en plaisantant, je lui dis, j'aimerais une moto de 28. Si tu me trouves ça, je suis preneur. Ah, et puis, 2 mois après, je vais le voir sur le circuit de Pau. Il me dit, j'ai un papier pour toi avec une adresse. L'adresse était dans la Nièvre et nous partions le surlendemain en vacances en Bretagne. On a fait un détour, on est allé dans la Nièvre, que ma femme ne me connaissait pas, mais qu'elle n'a pas trop aimé, elle a préféré la mer quand même. Alors, après, j'ai acheté une autre moto parce que le cadre n'était pas le bon, et j'ai essayé de faire le plus près de l'origine. Oh, le micro déforme la voix, on n'entend pas bien ton bel accent. Tu viens de quelle région, Jean? Je viens du sud un peu, où il fait chaud comme ici, ces jours-ci, quoi. Oui, ils s'en souviennent les gens, il y a 2 semaines, il faisait chaud. Chez moi, il fait chaud toute l'année, c'est pour ça qu'on n'est pas resto. Ah bon, je suis des Landes. Voilà. Voilà, une belle DSA. Mais si tu veux l'arrêter, Alain, c'est très sympa. Donc, magnifique DSA de 1935. Aïe, monsieur. DSA, ça veut bien dire belle saloperie d'anglaise, c'est ça? Bon, comment cette moto... Oh oui, elle est pas triste cette histoire chez toi. Comment cette moto est arrivée dans ta vie?
déjà, j'avais dit à ma femme, quand j'arriverai à la retraite, je ferai un Tour de France pour vous, voilà. Bon, ça va être mon sixième. Alors, dit, il faut que je cherche une moto. Alors, j'étais à chercher en Belgique. Elle était belle comme ça, mais à l'intérieur, c'était un os. Donc, un temps d'enduit. Puis, au premier Tour de France, à la moitié du Tour de France, la moto est tombée en panne, définitif. Et puis, moi aussi, je suis tombé malade. En deux jours après, j'étais restauré. Mon pote m'a prêté sa 175 autobécane et j'ai fini avec. Bon, après, j'ai fait le tour avec une Triomphe que j'ai échangée contre cette moto-là. Et un jour, j'étais en train d'en restaurer une autre et je vois une annonce. Le gars, il revendait la moto. J'ai réchangé contre la Triomphe. Bon, par contre, il m'a demandé 4000 euros en plus, quoi. Mais bon, je l'ai récupéré. L'année dernière, bon, j'ai eu un petit incident, j'ai cassé une soupape, il y avait un trou comme ça dans le piston, enfin bon, voilà. J'ai que des emmerdes avec, mais je l'ai bien. Donc, PSA, marque anglaise merveilleuse, au départ fabricant d'armes, qui a fait, comme pas mal de sociétés anglaises, des motos pour l'armée, et puis qui a été leader en Angleterre, se tirer la bourre avec Triomphe et d'autres. Pour être à la fin racheté. Quelle est la qualité de cette moto, Alain? Pourquoi tu l'as prise pour le Tour de France et pourquoi un 500? Alors, par contre, cette moto a un moteur formidable. Il faut savoir qu'à l'époque, elle était donnée pour 130 km/h. Chrono. Bon, je ne la pousserai pas jusque-là. Mais vous roulez avec ça sur un filet de gaz en quatrième, une 4 vitesses, à 80-90 sans problème. L'année dernière, quand j'ai cassé, tout le monde m'a dit t'es pas trop vite avec ta moto, machin, mais. En quatrième, je vous jure, avec même pas un tiers de poignée, vous roulez peinard. Et c'est un couple formidable, vous prenez les ronds-points en troisième. C'est troisième, quatrième, quoi, deuxième et première, ça sert au démarrage. C'est une bonne moto, et elle est belle. Je crois qu'on peut l'applaudir. Regardez s'il n'est pas beau. Ah, on va se donner le temps d'admirer, si tu permets. Alors Pascal, c'est le combienième Tour de France? Quatrième. Avec quelle moto? Une 250 OS, une 350 Mania de Gros et une Terro 350 HES. 350 de 1927. Non, ça sera le premier avec celle-là. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette moto? Comment elle est arrivée dans ta vie et pourquoi cette moto? Je l'ai trouvée sur un site d'annonce il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 6 mois. Quoi. Donc, j'ai dit, je vais me lancer de faire le Tour de France avec. Eh ben, dis donc, t'es courageux. T'as acheté un coup d'œil, te connaissant. Oui, avec l'aide d'un ami. Un type qui traite dans le jury, par hasard? Ouais, mais qu'on appelle l'expert, mais qu'on n'aime pas qu'on parle de lui, donc on parlera pas de lui. C'est Francis Joulka. tu peux nous dire pour comment se situe cette moto dans son année? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Pourquoi ce modèle? Parce que en terreau, dans les HS, les HL, les HT et AJT, il faut s'en sortir. Alors, est-ce que tu peux nous traduire le langage terreau, s'il te plaît? C'est une moto entre tubes, réservoir entre tubes, qui est sortie en 27, ouais, c'est ça. Et après, il y a eu, à partir de 28, il y a eu réservoir en 16, hein, c'est ce qui la différencie de d'autres motos. C'est la même que mon ami Jean qui est passé il y a 2 secondes. Eh bien, bravo, félicitations pour honorer la belle marque française Terro. Vous êtes très attendu dans les expositions en France. Et il y a un club magnifique Terro qui est très animé. Donc merci pour ta quatrième participation. Bon Tour de France, messieurs les chariots, c'est okay. Voilà, mon cher Pierre. Alors, j'ai demandé à ce qu'on t'applaudisse, Pierre, parce que Pierre, pour nous, c'est la référence. C'est le plus jeune pilote de Tour de France. Vous savez que les gens qui font le Tour de France et qui font de la moto ancienne, ils ont pas mal d'années au compteur.
et ça fait plaisir de voir arriver des jeunes qui s'intéressent à la moto de collection. Et Pierre, on met plein d'espoir sur lui, on va lui en mettre plein les épaules, il est solide pour assurer la relève. Donc bravo Pierre, tu es venu avec une Mania de Mont, marque française. Est-ce que peux-tu me dire pourquoi tu as choisi cette moto pour faire le Tour de France ? Après avoir fait le Tour de France il y a 2 ans avec de nombreux problèmes, j'ai décidé de le refaire avec celle-ci en espérant cette fois-ci faire les 3 semaines avec etc. Super. Comment cette moto est arrivée dans ta vie ? Grâce à Bruno Roussel qui me l'a proposé. J'étais la chercher dans le sud de la France en habitant la Picardie et j'ai fait le Tour de France. J'avais acheté juste avant le Tour de France, quasiment 6 mois avant, en 2016. Alors dis-moi, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'un jeune de ton âge qui est plutôt iPad, musique et vidéo vient foutre dans la moto ancienne? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai la chance d'avoir un oncle qui est collectionneur de motos anciennes et j'ai découvert la moto et depuis, après le Tour de France et la bonne ambiance, j'avais envie de revenir ici. Voilà. Super, et ben, c'est une chance pour les gens du Tour de France aussi que tu sois là. Qu'est-ce que tu as comme anecdote à nous raconter à propos de cette moto? Les nombreux serrages en 2016, beaucoup de problèmes avec le moteur qui a été refait grâce à l'aide de deux personnes du GABA, que je regarde ici, qui m'ont bien aidé. Et donc du coup, j'espère que cette année ça va marcher. Super. Donc on ne parlera pas de celui qui ne veut pas qu'on parle de lui. J'ai nommé Francis Jouka, bien sûr. Bon, mais c'est super, alors t'es courageux parce que tu repars avec la même et cette fois t'espères bien que ça va tenir. Qu'est-ce qui fait que dans le parcours, je suppose que tu as regardé des 4500 km, il y a un endroit ou un autre où tu as quelques craintes? J'ai un petit peu peur de la montagne dans les Alpes, mais on verra bien. Je vais essayer de prendre le rythme pour y arriver à grimper. Nos amis de la vie de la moto qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui nous ont dit qu'ils seraient en haut du col d'Alos à 2006, je crois, et ta moto sera prise en photo pour le journal si tu arrives jusqu'en haut. On se souvient que Galibier, quelqu'un était descendu de sa moto pour finir à pied, donc je souhaite de finir, de passer le col. Eh bien merci, on va te souhaiter un très beau Tour de France. J'ai monté un nouveau klaxon qui fait... Les étapes sont de 180 à 280.